Gauthier, les gars. Ça va ou quoi? Okay, so we arrived in the marina, and the good thing of having an 8-meter boat is that they could take me out straight away. I mean, we arrived at 12 noon, and we're going out at 3 p.m. So that's good, and I'm going to use the extra labor force that is here to help me paint the bottom. Pas vrai, Henri? Ouais, ça va être génial. J'adore la peinture. Alors t'es prêt Henri? On sort le bateau? On va sortir le bateau de l'eau. Oui. Grosse aventure, ça c'est bon. So yesterday we started sanding the bottom. I did some epoxy work here and there, minor stuff. There were like little cracks, not proper cracks because it wasn't leaking inside the boat, but you know, really tiny ones. So I've been doing some reinforcement here and there, and after go for the undercoat epoxy paint, and then go for the anti-fouling. So yeah, we need to do the first coat of anti-fouling around midday, to do one at night and another one tomorrow morning, and we're good to go. So yeah. C'est parti pour la ligne de flottaison. Alors au début c'était là, mais là c'était trop bas. Donc on le surélève. Avec un nouveau. Présente-toi Xavier. Bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai perdu toutes mes affaires. So you remember last episode where the boat of my friends came missing for a while? Well, one of them was Xavier. And since he had only one shirt, one short and his mobile phone when the boat went missing, he settled on board. We gave him clothes and we fed him. And it was great to have him cruising with us as he's a great sailor and a really good travel companion. Et tu viens d'où Xav? Du Maroc. Ok. Beau ça. Petite patte des lapins. Ma technique de chat. So in the first place, I wanted to use big pots, and then I used small pots. Then even when I used small pots, the ship handler did not add the proper colors in all of the small pots, which ended up having two colors on the below as well. So yeah, now I have green, and gray on the rest of the boat. Like it? Voilà, nous remettons le bateau à l'eau après ces 2-3 jours de peinture. So everybody's gathered.
plaisir ça. Okay, so it's time we go in a we stop in a new place now with Henry. There is one more person on board. Yes, this is Constanza. With a clean new anti-fouling, we couldn't wait to go and test it on the water. So the next day, we rounded some of the new friends we had made here in Guadeloupe and went for a short sail to a small island nearby and spent the weekend there. Henry is being super useful. Bonjour à toutes et à tous, après une lourde navigation où j'ai fait la sieste, nous sommes arrivés au Gosier. À notre moniteur de planche à voile avec nous qui est toujours là. Salut Xavier, 10 ans de saison au Club Med. 6 bords après, 1h30 après, on a quitté cette marina, parce qu'on vraiment n'en pouvait plus quand même. Passer le week-end peinard. On a notre pote François qui arrive avec du poisson. On va se régaler d'aller griller tout ça là-bas ce soir. À plus tard. On a fait une grosse sieste. Voilà, il est toujours au téléphone. Et on va aller sur la plage. Et c'est parti pour le barbecue. Voici l'équipe, on s'est... Vous partez juste quand on arrive, hein. C'est incroyable ça. Oui, petite interview pour le barbecue. Là. Ça va être top, on va manger de la dorade et de la langouste. Et Captain. Tout ça à papillote, on va être au top. Alors Capitaine, arrivé sur l'île du Gosier. On a trouvé un spot qui est pas mal quand même, je crois. Bien vu, mec. Francisco, à vie sur la langouste. Et la cuisson parfaite, on va se régaler. Bien. Captain, alors, hein? Alors ce repas. Bah là, écoute, on est pas mal. Là, tu vois, ça commence à se chauffer. Là, tu vois, on a une petite fricassée de oignons courgettes à l'huile d'olive et à l'ail. Et là, je me brûle. Et après, on va faire de la dorade avec ça que notre ami François a été pêché ce matin au marché de Pointe-à-Pitre. C'est un peu à côté, c'est vrai. C'est un bon spot, hein, il paraît. Ça prend bien là-bas. C'est marrant parce que une fois que tu le lèves, il est déjà en filet. C'est ça, c'est top, c'est assez spécial. Là, de... On va où? On va chasser la vive. Et on a tout l'équipement là de chasse. Et maintenant qu'on a un gros dinghy, on va en profiter pour aller de l'autre côté de l'île pour aller pêcher parce que c'est pas quand on est en kayak qu'on fait ça. Allez, zoom. Magnifique fort. T'es prêt? Allez, chasser de la grosse langouste. Ok, alors on est rentré un peu bredouille de la pêche, du coup on va pêcher les noix de coco. C'est bien, ça se déplace moins vite et puis au moins on les voit. Elles. Et du coup, je crois qu'on a trouvé un petit spot là, à côté du phare. Like this episode
and stay tuned for the next one, where we meet another sailboat and cruise together through the Caribbean.